Bonsoir à toutes et à tous, comment allez-vous en ce mardi 28 décembre? Noël est déjà passé, hein. Maintenant on va faire dans 2-3 jours, 7 jours de l'an. Bonne année, hein, Sandrine. Bonne année. Vous avez dit bonjour de Sandrine. Sandrine, elle est toute belle aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qui lui arrive, je sais pas ce qui se passe. Elle est toute belle, un joli petit chemisier, sexy et tout. Pantalon troué mais sexy. Un soutif transparent. Non, elle est très jolie aujourd'hui, Sandrine. De temps en temps, ça fait du bien de mettre de dire des mots gentils. Ah, c'est pas ça. Elle m'a appelé deux fois aussi. Donc, petite coupe. Ah, il y a trop de fumée. Petite co-course. Bah, normalement, je ne devais pas faire la vidéo. Mais comme moi, j'avais fait un petit peu de co-course, et comme ils ont été refaire des courses avec Sandrine, du coup, Cécile, elle a racheté quelques petits trucs. Donc, ça, automatiquement, ça a réagrandi les co-courses. Donc moi j'avais repris la marque Marsipulami de la crème fraîche épaisse. Voilà. C'est le four. Comme il y a la purée, ça dégouline un petit peu, ça fait de la fumée à l'intérieur. Ensuite, j'ai repris des pommes prunes, des pommes pruneaux sans sucre ajouté de la marque Paquito. Pacacacacato, voilà. T'es repris des yaourts à la grecque? Oui, mais la coco là, j'ai. Ah, j'ai même pas vu. Donc, on a repris des pâturages, yaourts à la grecque, à la noix de coco. Donc, ça, c'est pas moi qui vais le manger. Hein. Même si je crève de faim, je mangerai même pas. Je préfère manger mon doigt. Pourquoi? À ton doigt. Saveur bio, purée de tomates. C'est pour une recette. Elle a pris des pommes de terre. 99 centimes. À 99 centimes. Donc ils ont été à Intermarché. Hein. Voilà, des pommes de terre. Moi j'avais pris une baguette toute chaude chez notre nouveau boulanger. Ah oui, faut que je te raconte ça. Croquette de poisson pané, herbes fines herbes de la marque Odyssée de l'océan et de l'Atlantique. On va dire, ça sort d'où tout ça? Odyssée, c'est pas l'Atlantique. Odyssée, c'est un sous-marin. Oui, mais là, c'est pas un sous-marin. Il a vécu dans l'Atlantique. C'est la croquette de poisson là, les fines herbes, ils n'ont pas vécu dans l'Atlantique. Si, il a vécu dans l'Atlantique avec Merlin l'Enchanteur. Et comment il s'appelle Commandant Cousteau. Non, Cousteau. Du sucre. Moitié solde, top budget. Je savais même pas qu'il y avait top budget en sucre. Et apparemment, il y en a. Du gruyère hein, que j'ai acheté, bien sûr que j'ai utilisé parce que pour ma recette. J'allais dire si tu l'as acheté, il y a que ça dedans. Pour ma recette. Il y a une gruche, j'ai déjà vu une gruche, j'ai joué sur les trucs, j'ai goûté, t'as vu déjà, mais il y a moins. Elle a pris de la marque Ranounou, des taboulés à l'oriental, avec du raisin sec et de la menthe, une fois, tout à mort. Comme ça, alors, c'est ça, alors, on raffole. Ouais. Par contre, faut peut-être finir les autres. Hein. Oui, mais c'est ma réserve. Ah ouais. Ta réserve. Donc, si jamais ils auraient pu. Ouais, ouais. Ta réserve. De la marque Marsipulami, du lait frais. Quoi, ça? Voilà. Toi, tu fais bien ta réserve de café. Non. Ça veut dire quoi, ça, c'est ce truc-là?
Quoi? Ta réserve là. Bah oui, ta réserve. T'as cru qu'on était enfant dans le temps de guerre ou quoi? Oui. Maillet par MG? Non, c'est pas maillé pas. C'est pareil, c'est son cousin. MG. Ça cousine. Du Coca-Cola sans sucre, sans caféine, et sans sucre, sans caféine. Comme d'habitude. Là, t'as un marché, t'as vu, il n'y a presque plus Oh, de toi, t'as faim, coca. t'as le vent qui fait glou. Tu l'as entendu? Il n'y a plus de, presque plus de coca, t'as un marché, t'as vu. Grâce à mon oeil bio-unique, ça fait. Ouais, il y en a que deux. Pourquoi il n'y en a que deux? C'est comme papa, il y en a deux. Non, mais les Normands, ils sont rendus par quatre, ils sont où les deux autres? Il raconte n'importe quoi. Comme papa, il y en a deux. En fait, heureusement, Tiens le vent, ta Sandrine. c'est le tien ou c'est le mien? Parce que j'ai fait le même bruit, le mien. C'est le tien. C'est qu'il y a, il y a un état à la poche, j'entends ça là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon ventre qui fait blou. Téléphone. Et Sandrine m'a offert des petits yaourts, enfin des grands yaourts au chocolat de la marque Danette. Voilà, merci Sandrine, t'as un Il y en a amour. quatre normalement. Bon, il y en a quatre, hein, mais j'en ai sorti que deux. Parce qu'ils sont en promo là. Vous en doutez qu'il y en a quatre. Voilà. Donc, bah Et voilà. c'est tout. Puis c'est tout. Ah oui, Et après puis c'est tout. Sandrine a s'est pris un coca Zola, Ah, look. mais il y en a. Elle s'en est pris Voilà. deux. Là, du coup, Elle t'es pas s'est pris deux petites comme pris ça. une main, voilà. T'es pas pris une grosse à 2 litres. Non, pareil. T'as pris deux petites. Donc voilà. Donc sur ce, on va vous laisser. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Ah non, il n'y a que 7 minutes. On a fait les courses à son rythme. Ah, c'est pas assez. C'est pas assez. Ah ouais, les courses à Sandrine. Vous allez voir qu'est-ce qu'elle achète, Sandrine. Bah déjà, il y a la... bah, tu l'as présenté la T'as mis au frais. Ah oui, elle a mis des Alors, petites Sandrine, elle offertes. s'est acheté du papier cul. Non. De la marque Label, le classique par 12. Bah si, c'est du papier cul. On ne connaissait pas celui-là, on l'a jamais pris celui-là, le Label. Bah si, il est bien. Tu me diras ça. S'il est doux. Moi, je sais pas. Elle s'est pris une boule. Bon, c'est pas si nichon. Une boule de pain, ouais. Une boule de papa. Comment ils appellent ça? À mèche blanche, ils appellent ça. Voilà, Non, à mais lèche c'est vrai en blanche. plus, hein. C'est marqué dessus, regarde, mèche À blanche. lèche blanche. À miche blanche. Il faut que tu écris mèche là-bas. Mèche. Là, oui, une miche, je suis plus Miche. d'accord pour une miche. Oui. Miche, anti-miche, parve-miche. Mais c'est Intermarché, t'as vu, Blanche. ils ont fait une erreur parce que c'était marqué mèche. Et le reste au frigo? Non, il y a du sopalin aussi qui s'est pris. Il est où du sopalin? Deuxième sac. Et Ah, tu l'as mis dans le c'est sac. pris. C'est pris. Bon, c'est pour arrondir hein, les fins du mois sur, sur la vidéo. Ah, c'est pris là, de la marque laitière feuilletée de mousse au café. Mathieu Sandrine, elle adore ça. Elle adore le café. Ah, mais c'est des promotions. Voilà, tout ça, c'est des promos. Elle s'est pris un bébé beurre de la marque Pâturage gastronomique demi-sel à la française. Elle s'est pris du taboulé au poulet à la française. De la marque Ranou français. Elle s'est pris. Tiens, Jérôme, elle est comme toi. Cochonou! Si je parle de cochonou, tu dois savoir qu'est-ce que c'est. Cochonou, naninana, non. Du Mais saucisson! Jérôme, il prend le gros Du saucisson, lui. saucisson! Donc j'ai déjà coupé, hein. Ouais, celui-là, il est déjà Bah coupé. oui, comme ça, il n'y a pas besoin de prendre du saucisson, de couper. Donc du cochonou. C'est une marque, ça, un cochonou. Oui. Et plein de petits snacks.
Purport, de la marque Ranoun. Ranou. Et c'est plein de petits... Bah, des snacks. Des petits snacks. Oh. Je vais dire une bêtise, moi. Ouais, bah, ça. Plein de petits saucissons de barge. Au terrain, hein. Pour la semaine. Un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi. Donc voilà, je remets tout ça auprès de gauche. Bah tiens, dis les prix. Ah, il manque un ticket. Une Sandrine. Non, mais c'est pas grave. Là, c'est pour arrondir les fins du mois. Les pommes de terre, 99 centimes. le café. Le sucre, 1,57€. Là, il est moins cher que. Combien elle dit? Ah, je sais pas, moi. Il est plus cher, elle dit. Oui, je crois, je sais plus. Le sucre en morceaux, chez elle dit, il est plus cher. Bah, si, 1,57€. Hein. Plus cher. Je ne sais pas. Les trucs de bateau, mes trucs de poisson, ouais, ils finissaient à 1,89€. La compote, 1,54€. L'eau, 50 centimes. Taboulé, 1,39€. Et les yaourts à la grecque, 2,49€. Et j'ai encore eu des points sur ma carte. Avec des yaourts à la grecque, 25 centimes. Le taboulé, 14 centimes. La pomme pruneau, 16 centimes. Voilà. Et Sandrine, oui, mais j'ai plus que ça parce qu'avec Sandrine, j'ai eu des réductions aussi. J'ai eu des réductions sur les yaourts, trucs là, les tiers. Après, je sais plus. Sopalin, je crois, j'ai vu, je crois. Enfin, je sais plus, j'ai pas eu, voilà. Donc, ça fait un peu un nouveau solde sur ma carte. Voilà. Vous avez... Hop. Alors, c'est quoi ? Il n'y a plus du tout de sucre en morceau. Non ! Oui, heureusement j'ai pas oublié. Enfin, encore j'ai failli, c'est toi qui m'as dit. Le sucre. J'ai failli oublier. Saint-Louis. Saint-Louis. Hop, ça c'est bon. Produit fini. Voilà. Shabbat. Voilà. Il a changé son truc de boulangerie. Non, sur le même. Ah bon? Sur le même machin. Non, mais c'était pas ce papier-là avant. Oh, mais on s'en fout, l'humain, c'est... Il a dû changer. On prend le pain là-bas, même. Champigny, là, du Franprix. Il est trop bon, là, son pain. Non, mais n'empêche, j'ai... Et à chaque fois que tu vas, les baguettes sont super chaudes. Ouais, en plus, c'est bien, parce que lui... Je préfère ton paiement en carte bleue pour 1€. Tu sais, dans les autres boulangeries, ils prennent la baguette avec les mains. Ben lui, non. Il prend le sachet, il l'ouvre, il prend sa pince, il prend le pain, il met le pain dans le sachet, il prend ta baguette avec la pince, et il te le donne comme ça. Il touche pas du tout avec ses mains la baguette. Il les sent, que ce soit sandwich, gâteau, machin, il prend que avec les pinces, il touche pas du tout avec les mains. Ici, s'il doit couper du pain... S'il doit couper du pain, bah il se met des gants. C'est la première fois que je vois quelqu'un de boulanger qui fait ça. Il a pas de baguette, il dit dans 5 minutes. Ouais, lui, il n'hésite pas d'en refaire. Il est ouvert jusqu'à 21h, là, 21h, tu vas, il y en a encore. Il est tout chaud en plus. Ouais, comme certaines boulangeries, là, si tu n'as plus de baguette, il s'en fout. Parce que lui, à 21h, il va te refaire 3-4 baguettes. Ah, t'arrives à 17h, il n'y a plus de pain déjà. Ouais. Je te donnerai pas une. C'est ça qui est bien. C'est pour ça qu'on va chez lui maintenant. Je vais t'expliquer après. Allez, il m'a entendu, lui. Je suis descendu. Donc, voilà. Donc, bah voilà, ça, c'est bon. Sur ce, si vous aimez cette petite vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de sonner la petite chose, de vous abonner. La cloche, la cloche. De passer, de faire un petit coucou à Sandrine.
Tu les entends? Ouais, Sandrine! Ouais! Comment elle a dit la cloche? La cloche! On vous fait gros bisous, puis on se dit à très très bientôt pour une prochaine petite vidéo. Voilà! Sandrine, elle vous fait de gros 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 bisous. Patou patou!